Donc, bienvenue tout le monde à notre petit truc de la semaine. Ça ressemble un petit peu à quelque chose qu'on a déjà montré, mais on va retourner ici à un autre petit outil de diagnostic dans SolidWorks, là. On va cliquer sur le menu Démarrer et on va aller dans nos outils de SolidWorks. Donc, on va prendre 2021 ici en exemple et on va redémarrer ici le SolidWorks ARX 2021. Ce que j'aimerais porter votre attention, c'est la fiabilité. OK? J'ai beaucoup de gens qui disent « Ah, mon SolidWorks, j'ai des plantages souvent. » On peut vérifier exactement l'état des plantages que vous avez. OK? Donc, vous voyez ici qu'on revient des fêtes. Là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On va revenir un petit peu en arrière. Ah, OK, je commence à avoir des événements. Bon, OK, donc on voit ici que si je clique sur la journée, j'ai eu un... C'est pas un plantage dans ce cas-ci, là. C'est vraiment moi qui ai arrêté par le gestionnaire de tâches SolidWorks. Ceux en gris ici, c'est des arrêts normales. Ça, c'est correct. Ça, c'est SolidWorks qui a bien démarré puis il a bien fermé. Par contre, celui en orange ici, c'est qu'il a bien démarré, mais c'est moi qui ai décidé de tuer la tâche là, dans le gestionnaire de périphériques. Et si on aurait des points rouges, c'est là que ça, c'est vraiment là, des plantages purs et durs de SolidWorks. Donc, si vous voyez que vous avez des plantages à chaque jour, là, évidemment, on a une belle équipe de soutien technique, là, donc gênez-vous pas à nous appeler. On est exactement là pour ça. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui dans mon petit truc de la semaine, là, c'est quoi qu'on fait pour diagnostiquer une machine, voir tu sais, exactement. Puis, d'un fois, on a un petit peu plus d'informations que ça sur qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un plantage. Donc, ça va aider à diagnostiquer la machine. Donc, c'était mon petit truc de la semaine ici, là, c'est la fiabilité de SolidWorks. Merci, à la semaine prochaine.